du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, repose sur moi. Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance et lui crièrent : Jésus, maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus monte vers Jérusalem accompagné de ses disciples. En route, il est sollicité pour une guérison par 10 lépreux. Jésus leur dit d'aller se montrer au prêtre. Et en cours de route, il fut purifié, mais un seul revient pour dire merci à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous reconnaissants des biens dont Dieu nous comble? Savons-nous rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il réalise dans nos vies? Que par les prières de saint Léon le Grand dont nous faisons mémoire aujourd'hui, nous puissions rendre toujours grâce à Dieu pour les biens reçus de lui. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons reçu des grâces sans te dire merci. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.